De là où l'on recèle du vent offshore ce matin sur la Canot, bonjour à toutes et à tous et bon mardi. Un mardi qui commence avec un temps qui est variable, une température extérieure à 6-7 degrés, une température de l'eau à 12 degrés, une marée qui monte, le plein haut est à 13h30, avec des pics où il y a 38. Sur cette marée qui monte, le vent est offshore par le sud-est, il est faible à modéré, il y a un beau fort établi, des rafales à 2, le plan d'eau est ridé à lisse, les phases de vagues sont lisses. La houle est propre, mais pas aussi propre qu'hier matin. Et elle ferme plus qu'hier matin, c'est une houle longue de 13 secondes de période orientée ouest-nord-ouest qui est sur un mouvement à la hausse, relevé tout à l'heure sur la bouée Tartachon-Gascogne à 1,50 m et 12 secondes. Et par rapport au premier check de ce matin, ça a déjà grossi. Il y a 80 cm à mètre en déferlement régulier, 1,20 m, 1,30 m sur la majorité des séries. Et hop, on commence à voir le 1,50 m qui rentre là sur le large par moment. Il n'est pas dominant, mais il commence à rentrer. Donc il y a quand même quelques bouts qui arrivent à passer. Mais ça ferme plus qu'hier, et en particulier sur le meilleur spot, là où il y avait tout le monde. Il y a des bouts, mais il y en a moins qu'hier. C'est plutôt fermant. Il y a quand même une barre qui est facile à franchir, des vagues qui ne sont pas particulièrement méchantes, peut-être un peu plus creuses qu'hier, à réserver pour des surfeurs intermédiaires à plus. Il y a quelques personnes qui checkent les conditions, mais personne à l'eau, c'est pas foufou. Ça ferme pas mal. Et sur les meilleurs spots, alors les autres spots, ça ferme gavé. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va s'amplifier tout au long de la journée. Au dernier check, la bouée Tartachon-Gascogne est à la hausse à 1,90 m et 13 secondes. Pour ce qui est du vent, il est attendu se renforcer au sud modérément. À la mi-journée, ça va être sur la marée montante. Attention, indice de confiance faible, c'est pas sûr que le vent se lève autant que cela. Et enfin, et dans l'après-midi, il est censé revenir au sud-sud-est en faiblissant. À voir. Les prévisions à 13h, ça nous donne donc 1,80 m. Houle ouest-nord-ouest, 13 secondes de période avec un vent qui est prévu au sud à 2-3, tout tri. Et à 17h, un peu plus gros, petit 2 mètres. Houle ouest-nord-ouest, 13 secondes de période. Vent prévu sud-sud-est 1-2. Ce qui est certain pour moi, a priori, c'est que le meilleur créneau, il sera sur la marée haute. Hein. C'est là où les spots fonctionnent le mieux. Hop, on revoit le 1,50 m là-bas. Mais comparé à hier, c'est un peu moins propre et il y a un peu moins de boue. Donc déjà hier, il y avait quelques bouts par moment. Là, il y en a un peu moins. À surveiller. Il y a quand même de quoi glisser. Pour quelqu'un de motivé, il y a des bouts. Prochain point, 11h.